franchi un palier en arrivant dans le club du Saint-Etienne, parce que c'est un très beau club français, ça a une dimension, on va dire, médiatique plus importante que Lorient, par exemple. Même au niveau des spectateurs, du stade ou des infrastructures, c'est quelque chose d'autre. Puis j'arrive dans un groupe où il y a beaucoup de bons joueurs aussi, donc voilà, c'est un beau club et je pense franchir un palier en rejoignant la SSE. Je connaissais déjà un peu comment ça se passait parce que voilà, je connaissais déjà 2-3 joueurs ici. Bah, je savais à quoi m'attendre et honnêtement, je ne suis pas déçu. C'est exactement ce à quoi je pensais, ce à quoi je m'attendais. Et puis pour l'instant, tout se passe bien donc je suis content. Donc, ça donne. La vision que j'ai de Saint-Etienne avant de signer ici, c'était ce qu'on nous montrait à la télé. C'est sûr que sur les 2-3 dernières saisons, c'est une équipe qui était sur une bonne dynamique, qui avait l'air de bien vivre ensemble, d'avoir une bonne ambiance. Ça se voyait dans les vestiaires ou même dans certains reportages qu'on voyait à la télé. Après, il faut toujours se méfier de ce qu'on nous montre à la télé parce que ça reste que les images et tu peux pas non plus trop juger quand tu n'es pas à l'intérieur. Et moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu que c'était vraiment pareil, il y a une bonne ambiance. Entre les joueurs, ça bosse bien l'entraînement, voilà, même les salariés sont sympas. Ça a l'air d'être on va dire une grande famille, donc honnêtement, je suis pas déçu d'avoir signé ici. Bon, la pression avec les années, j'ai appris à la gérer, même si voilà, avant chaque match, il y a toujours cette petite boule pour mettre de la bonne pression, la petite boule au ventre qui est là pour faire un bon match, pour faire ce qu'on a à faire. Mais comparé au début, c'est vrai que je la gère mieux, donc au fil des années, ça devient un peu. Tu fais plus trop attention, on va dire, au contexte et tu te concentres plus sur le terrain. Bah, je pense que ça dépend des joueurs, certains vont dire oui, d'autres non. Moi, personnellement, quand elle est là, ça veut dire que je suis bien dans mon match, je suis concentré. Et, en tout cas, pour chaque match, que ce soit un match amical ou quoi, il y a toujours un petit truc dans le ventre. Et c'est ça qui t'aide à te surpasser. C'est le football, c'est être fort individuellement pour pouvoir briller collectivement. C'est vrai qu'il faut penser à l'équipe, mais l'équipe, ce sont les joueurs qui la composent et il faut que tu sois dans. Faut que tu te donnes à fond dans ce que tu sais faire pour pouvoir, comme tu l'as dit, jouer, être titulaire et c'est ça. Il n'y a pas un joueur qui te dira qu'il est content d'être sur le banc ou de jouer 20 minutes. Donc au final, c'est vraiment un peu. C'est être individuel dans un sport collectif et c'est ça qui est compliqué à gérer un petit peu. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la presse, que ce soit dans les bons ou comme dans les mauvais moments, j'ai toujours assumé et puis j'ai toujours répondu aux sollicitations qu'il y avait. Donc voilà, après c'est chacun, il y a des gens qui ont plus de difficultés de s'exprimer et qui n'aiment pas trop les médias, ça peut se comprendre aussi. Mais c'est une partie du métier aussi, donc
on existe aussi grâce aux médias, donc je pense que même dans les moments difficiles, faut prendre responsabilité et puis faut se présenter à la presse quand on nous le demande. Après, ça dépend si y a certains journalistes qui attaquent d'autres joueurs un peu plus que d'autres ou gratuitement. C'est vrai que je peux comprendre certains joueurs qui sont un peu réticents à l'idée de se présenter devant les journalistes après, mais moi personnellement, quand ça se passe bien sur le terrain, on me demande, j'y vais. Quand ça se passe mal, voilà, j'y vais aussi. Donc, par rapport à ça, et puis voilà, je suis pas non plus une méga star planète Terre, donc au niveau, ça se passe bien. Bon, comme j'ai été formé à Lens, c'est vrai que les deux clubs sont un peu similaires au niveau du public et de l'engouement. Saint-Étienne, voilà, les gens viennent de toute la France. Encore tout à l'heure, on a vu des gens qui venaient de Pau, je crois, donc pour voir l'entraînement. Donc voilà, ça montre la popularité du club et que les gens viennent de partout. Et ça, je suis vraiment pas surpris. Je m'attendais à ça. Et puis quand je suis arrivé, je suis parti aussi à la boutique présenter les nouveaux maillots et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup beaucoup de monde. Donc honnêtement, j'ai pas été surpris. Kevin, bienvenue au club. Un petit sourire. C'est vrai qu'on m'a dit que c'est pas pareil de jouer avec le maillot des Verts à Geoffroy Guichard et que venir jouer en équipe adverse. Donc je m'attends à une grosse ambiance et je pense que ça peut être qu'un plus, ça peut me booster. Et puis avoir 40 000 personnes qui te poussent, c'est vrai que c'est très intéressant. Non, bah c'est clair, c'est toujours mieux de nous dans le foot d'évoluer devant des gros publics, devant un gros stade avec des supporters qui sont toujours là. C'est vrai que je pense que c'est un plus. Après aussi, il y a les mauvais côtés. Quand ça se passe mal, la pression n'est pas la même, mais ça fait partie du métier. Moi, j'ai bien intégré. Et puis voilà, c'est toujours plus intéressant de jouer avec une telle ferveur derrière nous. Bon, c'est vrai que l'année dernière, j'avais John comme adversaire direct au match retour. Ça s'était très bien passé pour moi, un peu moins pour lui. Bon, moi, j'ai pas osé remettre ça sur la table. Il y en a certains qui l'ont un peu chambré quand je suis arrivé, mais très gentil. Puis, il a un bon esprit, donc il a bien pris. Et puis, voilà, on n'en a pas non plus parlé pendant 10 ans. C'est la tradition, il y a des clubs où ça se fait pas, il y en a où ça se fait, mais c'est vrai que c'est toujours un moment sympa à passer. Et puis voilà, les mecs autour de la table rigolent bien, donc c'est bien. Moi, c'est parti. On dit souvent, j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent, les requiem que je me chante. Toujours dur chaque jour qui passe, mais les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, montre jamais tes faiblesses et dans le pire. Reste fort, avale tes larmes, ta fierté restera ta plus belle arme. Je sais rire quand il le faut, moi je crois croire que je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit... Franchement, la petite chanson des nouveaux joueurs, c'est toujours un petit moment particulier. Bon, après, moi, je l'ai déjà fait une ou deux fois, mais à chaque fois, c'est pareil, t'es un peu timide, tu sais, bon, faut se lancer, et puis ça dure pas trop longtemps. Après, moi, j'ai chanté Corneille, déjà parce que les paroles sont assez simples à retenir, puis la chanson était belle, et puis en plus, il est du Rwanda comme moi, donc c'est un petit clin d'œil.
Enfin, j'ai pas un meilleur souvenir. J'ai perdu une Coupe de la Ligue en finale contre PSG avec Lens. C'était un beau souvenir jusqu'à la finale, mais après, j'ai fait championnat d'Europe avec l'équipe de France de jeunes. On est parti jusqu'en finale aussi. On a perdu. En demi-finale, pardon. Puis à Lorient, on a fait aussi des très bons matchs. On a gagné 3-0 au Vélodrome. On a fait des belles performances au Parc des Princes, etc. Donc voilà, c'est plus des souvenirs, on va dire, collectifs, un peu dans des matchs qu'on a vraiment bien maîtrisés que personnellement. Honnêtement, je sais pas, je pense que voilà, maintenant ça fait longtemps que je suis en Ligue 1, j'ai montré des belles choses. Voilà, je pense que je peux être vu comme un bon joueur de Ligue 1. Après, c'est vrai qu'il faut que je peux progresser encore, j'ai une belle marge de progression, donc j'espère franchir ce palier ici. Bah, pour que les gens parlent encore mieux de mon nom, mais honnêtement, c'est pas ce que je recherche en premier. Moi, ce que je recherche, c'est d'être performant pour mon équipe. Et que mon équipe aille plus haut possible dans ses objectifs. Et voilà, après, tu ne pourras jamais empêcher les gens de parler en bien ou en mal. Donc, honnêtement, je ne m'attache pas trop à ce genre de choses.